إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد شير فرير إسر الإسلام شير تلسبيتاتير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette nouvelle émission que nous inaugurons à travers cette chaîne satellitaire intitulée « À nous ou la lumière ». Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et bénisse les instants que nous allons passer ensemble autour de sa parole en vue de la recherche du savoir pour son application. Sans oublier de vous rappeler que nous avons une triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs et ce, conformément à la recommandation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Balligu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse encore une fois de plus, bénisse nos vies, bénisse nos œuvres et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout où nous nous trouvons. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette télévision, cette chaîne satellitaire. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette émission. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tout ce que vous allez apprendre à travers cette chaîne et qu'il nous conforme davantage donc à sa sainte parole. Le premier sujet ou le premier thème par lequel nous allons commencer, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs où que vous soyez, c'est le tawhid ou la connaissance de Dieu. Le tawhid ou la connaissance de Dieu parce que ça a été le thème principal sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entretenu la umma islamique pendant 13 ans pendant la période mécoise. Donc durant presque toute la période mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'autre thème central que le thème du tawhid ou de la connaissance de Dieu parce que c'est la fondation. La connaissance de Dieu, c'est la fondation. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas adorer Dieu comme il le faut. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas prier pour Dieu comme il le faut. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas jeûner pour Dieu comme il le faut. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas accomplir le hajj pour Dieu comme il le faut. Celui qui n'a pas compris Dieu ne peut pas prélever la zakat pour Dieu. Par conséquent, c'est la fondation, c'est le premier thème sur lequel tous les prophètes, à travers la longue histoire humaine, ont mis l'accent. Et par conséquent, nous allons commencer par ce thème, sans oublier toutefois les autres thèmes qui vont venir, Inch'Allah. Chers frères et sœurs en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa crainte partout où nous nous trouvons, il faut savoir que le tawhid ou la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la science la plus fondamentale sur laquelle s'est basée la mission du dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir que tous les prophètes, tous les messagers ont appelé leur peuple d'abord au tawhid, d'abord à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit. Et nous allons voir cela plus loin, Inch'Allah. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. C'est un verset leitmotiv que nous allons retrouver avec tous les prophètes, avec tous les messagers qui ont demandé à leur peuple d'adorer Allah. Et pour adorer Allah, il faut les connaître. Pour adorer Allah, il faut les connaître. Par conséquent, notre premier thème, c'est le tawhid. Et ce tawhid-là, nous allons le répartir en plusieurs parties pour que nous puissions comprendre pas à pas. Parce que en islam, la quantité n'est pas importante. La quantité ne devient importante que si elle est conjuguée à la qualité.
Donc, ce qui est important, c'est la qualité. Et la qualité, donc, ici, c'est la science. Par conséquent, le tawhid ou la connaissance d'Allah, c'est la science la plus fondamentale sur laquelle s'est basée la mission du dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la science qui scrute dans le domaine de l'affirmation des doctrines religieuses par les biais de preuves tangibles et rationnelles et des preuves fournies par la tradition prophétique. Donc nous allons voir cela avec des preuves tangibles, des preuves palpables, des preuves que nous pouvons voir à travers l'environnement, à travers ce que nous voyons, ce que nous entendons, à travers nous-mêmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, par conséquent, pour que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala soit vraiment quelque chose d'inné, quelque chose donc d'acquis pour chacun de nous, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment la base. C'est cette connaissance-là qui permet aux musulmans de s'adonner comme il le faut à l'adoration de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet d'accepter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les appliquer, et également elle lui permet donc d'éviter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'une fois qu'on aura connu Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien à ce moment on saura que ce qu'il nous recommande, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Ce qu'il nous interdit, c'est dans également notre intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous recommande rien que sinon pour notre intérêt, pour notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà, comme nous allons le voir, inshallah, plus loin. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, ces preuves ou arguments permettent aux musulmans de faire lever tout équivoque, toute incertitude et tout doute sur son cœur afin qu'il devienne un réceptacle digne de recevoir la lumière divine et de la répandre autour de lui. Donc il faut que le musulman soit totalement convaincu que ça c'est vraiment la religion de vérité, que ce qu'il voit c'est quelque chose de démontrable, c'est quelque chose qu'on peut démontrer à partir de ce que nous voyons, à partir de ce que nous connaissons, à partir de ce que nous entendons. Et c'est pourquoi nous allons voir les trois grands axes de la connaissance de Dieu. Il s'agit de l'axe de la rububiyya ou la seigneurie ou la connaissance de Dieu à travers ce qu'il a créé, et nous allons voir également l'axe de al-ubudiyya, al-uluhiyya, donc l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé des adorations comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj, comme la zakat. Eh bien, ça c'est un axe de connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième axe de connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'axe de al-asma ou sifat, donc l'axe de attributs et non de perfection de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons voir tout cela, inshallah, au fur et à mesure. Et comme nous l'avons dit, nous allons prendre, inshallah, le temps nécessaire pour nous expliquer, parce que il ne s'agit pas d'aller découvrir et de s'éloigner, mais il s'agit de prendre le bon chemin et d'avancer, même si c'est lentement, mais dans la bonne direction. Donc ces arguments permettent aux musulmans de faire lever tout équivoque, toute incertitude et tout doute sur son cœur afin qu'il devienne un réceptacle digne de recevoir la lumière divine et de la répandre autour de lui. On sait que la grandeur et l'importance de toute science sont proportionnelles à la grandeur et à l'importance de son sujet et du domaine dans lequel elle s'exerce. Si, par exemple, la médecine est plus privilégiée que la menuiserie, cela est dû tout simplement au fait que la menuiserie s'intéresse au bois, tandis que la médecine s'intéresse au corps humain. Donc, on ne peut pas comparer la menuiserie et la médecine à cause du domaine, à cause de leur domaine d'application qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas comparables. La médecine s'adresse ou a pour domaine le corps humain. Et la menuiserie a pour domaine le bois. Donc, entre le bois et le corps humain, est-ce qu'il y a une comparaison? Il n'y a pas de comparaison en réalité. Donc, c'est comme ça que nous allons voir que également dans le domaine donc de la connaissance de Dieu, l'importance du tawhid se rapporte à l'importance de son domaine de recherche. Or, y a-t-il quelque chose de plus grand que le créateur de l'univers? Y a-t-il quelque chose de plus important pour l'homme que de connaître son Seigneur Créateur, ou de découvrir la sagesse de sa présence dans ce monde, ou de découvrir la raison pour laquelle il a été créé sur cette terre, ou de découvrir le devenir, la finalité qu'il attend après donc la mort? Voilà donc, chers frères, Israël Islam, pourquoi donc le tawhid
est la science la plus importante parce que son champ d'application, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Dieu suprême, le créateur absolu des cieux et de la terre. Par conséquent, chers frères Islam, c'est l'importance du tawhid qui se révèle. Nous allons prendre une petite pause avant de continuer.